Bonjour, c'est cryptoly j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Theta, la crypto-monnaie de la blockchain, du projet Theta Network. Projet qui est très intéressant et structurel. Comme d'habitude, cette update, on va la diviser en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur l'explication de Theta, revenir sur les nouvelles, et une partie technique dans lequel on va faire l'analyse, savoir exactement où on en est, est-ce qu'on a des break-offs structure et pouvoir se projeter court, moyen, long terme en fonction de si vous êtes un investisseur ou si vous êtes un trader. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, c'est très simple. Likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement et abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec Theta. Theta est un projet qui, à la base, euh, veut, en fait, résoudre une problématique de l'écosystème sur l'entertainment. Donc c'est vraiment une blockchain qui est entre l'infrastructure et la réponse à un besoin réel, et un besoin réel, principalement sur l'entertainment. La volonté du projet, c'est vraiment résoudre les problématiques liées à la génération de vidéos et tout ce qui a trait à l'entertainment et justement l'utilisation de la blockchain pour résoudre cette problématique. Alors, il y a plusieurs problématiques. Il y a un, ce qu'on appelle le CDN, donc c'est-à-dire le cash, qui est le principe quand vous chargez une vidéo, par exemple sur YouTube, Maintenant, vous le sentez beaucoup moins parce que YouTube est une infrastructure centralisée excessivement performante, mais globalement, bah, il faut trouver l'endroit qui va vous donner accès à la vidéo. Et cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle un cache. Généralement, il faut que ce soit proche de chez vous, il faut qu'il n'y ait pas de saturation, et c'est ce qu'on appelle les CDN. Et justement, c'est ce qui coûte très très cher en termes d'infrastructure pour monter ce type de produit. Et c'est la problématique du, du fait qu'on n'arrive pas à avoir plusieurs concurrents qui tiennent à... Réellement tête à YouTube, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher. Et cette génération, cette problématique, euh, a été attaquée par Theta à travers justement une forme de décentralisation de l'utilisation des vidéos et donc du coup chaque utilisateur peut-être à un moment donné un cache potentiel pour l'utilisateur à côté en fonction de ce qu'il a déjà regardé, ce qui permet justement d'avoir une décentralisation du cache, et donc derrière avoir un système qui gravite autour de la distribution décentralisée de l'entertainment, du streaming et de la vidéo. Ils ont une roadmap qui est assez conséquente sur 2022, on en a discuté plusieurs fois, dès qu'elle sera sortie sur 2023, je vous la partagerai, mais globalement, l'élément important, ça a été la sortie du mainnet qui a eu lieu en décembre. 2022 dans lequel on a eu le mainnet MetaChain qui a été lancé en 4.0 et derrière en 2023 on a quand même un certain nombre d'applications euh, vidéo API qui va arriver euh, dans lequel on a quand même pas mal d'informations qui sont en cours de test on a le Edge qui devrait arriver aussi donc on a pas mal de choses qui devraient se faire la discussion qu'on avait déjà la dernière fois c'était est-ce que MetaChain donc le lancement va bien se passer. Est-ce que oui ou non, technologiquement, ça passe Est-ce qu'il y a un problème ou pas Bon bah, en l'occurrence, euh, quand on regarde un petit peu, ça s'est lancé donc le 2 décembre, ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas eu de problématiques vraiment séquentielles, mais maintenant il faut voir est-ce que oui ou non ça va faire de l'adhésion. Si on regarde, ils ont mis à jour leur site, à... Du coup, je suis pas forcément fan de la façon dans laquelle ça a été effectué, ni de la structuration. Ça me semble un peu euh, chaotique et un peu mou du genou en termes d'interface. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, ça fait partie des points où bon, je trouve que quitte à refaire le site, c'est pas quelque chose qui a été très utile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'infrastructure. Ils l'ont schématisée pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre où on a bien MetaChain qui est au centre de tout ça et c'est ce qui permet justement la construction de toutes les applications autour de Theta et c'est la blockchain qui permet de faire ça. Alors est-ce qu'on a une forte utilisation actuellement de MetaChain Clairement non pour plusieurs raisons. Euh, déjà un il bah, n'y a pas forcément d'incentive, donc euh, les développeurs euh, n'ont pas forcément de motivation à venir construire des applications sur Metachain. Et actuellement, bah, on est dans une phase de bear market. Donc ça veut dire que euh, on est dans une phase où l'initiative... Euh, on est plus dans une phase de consolidation, pas une phase d'initiative. Donc ça va mettre du temps sur MetaChain. Mais l'élément important à retenir, c'est que MetaChain est à dispo. On a tout qui passe par MetaChain. Et là, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que oui ou non on a de la construction qui s'effectue dessus. Est-ce qu'on va avoir un écosystème qui va se créer autour de Theta ou pas Et c'est ce qui va faire que Theta arrivera justement à préparer le prochain bullrun ou non. Si on n'a pas d'écosystème, ça va être compliqué. Je pense que l'année 2023 va être cruciale euh, justement pour Theta, Et c'est ce que je vous ai expliqué dans les différentes vidéos. On avait la fin d'année qui était importante sur le fait que MetaChain se lance et que ça se passe bien le lancement. Bon, en l'occurrence, on n'a pas eu de problématiques techniques, donc ça veut dire que fonctionnellement. Il n'y a pas de souci. Les retours que j'ai lus étaient plutôt positifs. Et par contre, maintenant, il va falloir construire cet écosystème. Et là, bah, il va falloir être patient. En tout cas, sur 2023. On va attaquer la partie technique. Partie technique de Theta qui, structurellement, est différente de toutes les autres pour plusieurs raisons. C'est que nous avons, en fait, une seule et unique phase qui a été découpée dans laquelle on a bien la phase d'accumulation pré-lancement, l'accélération haussière et la cassure dans laquelle on n'a pas eu de mise en place de second bull run où on a une descente tout doucement au fur et à mesure où on s'est enfoncé et c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'analyser cette partie là. Alors, comme d'habitude, on a une première phase d'accumulation sur la construction du projet. Derrière, on a la phase d'accélération haussière. D'ailleurs, cette phase d'accélération haussière, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons notamment la construction ici d'une euh, accumulation qui s'est mise en place, donc d'une réaccumulation avec distribution, accumulation ici, qui nous donne une réaccumulation week-off, donc quelque chose qui est bullish, accélération haussière, réaccumulation, et ensuite on continue à pousser, pousser dans lequel on est allé bah, directement marquer un ATH, ATH qui a été effectué en deux temps, qui est effectué à 15$ 8$, donc avec un premier baissé, donc un arrêt de tendance haussière, retracement, secondaire et test, donc qui a été ici le pic. Euh, effectif donc dans lequel on a eu une distribution ici de week -off, mais là c'est le début d'une réaccumulation réaccumulation long terme avec un sign of weakness puissant et fort dans lequel on est allé s'enfoncer alors là dessus il y a une autre vision que l'on pourrait avoir ce serait ici un bc un ar un st un saut donc qui serait la mise en place d'une distribution actuellement il est très compliqué de pouvoir déterminer est-ce que c'est une réaccumulation ou une distribution et il va falloir patienter, notamment l'arrivée de l'uptrust, et voir les volumes effectifs et la partie fondamentale. Ce qui va vraiment différencier les deux sur le fait qu'on ait une cassure euh, suite à l'uptrust, donc suite aux nouvelles attaches qu'on fera sur le long terme, si jamais on a bien évidemment bah, une adhésion massive, bah, ça va être cette adhésion massive de l'écosystème Theta. Si on n'a pas d'écosystème qui se crée, bon, en l'occurrence on sait qu'on périclitera, on aura une, une réaction haussière, puis ensuite on cassera. Baissier et on s'enfoncera dans les limbes. Donc là, c'est vraiment dans l'année 2023 et 2024 qu'on va pouvoir déterminer ça. Il va falloir être patient, encore une fois, et de toute façon, Theta, c'est vraiment un travail de patience, parce que quand on regarde justement la cassure suite à cet ATH, on a eu toujours des mouvements baissiers, retracement mouvements baissiers, retracement et ça s'est enfoncé au fur et à mesure pour arriver dans la zone basse de notre spot zone. Donc là-dessus, on va zoomer cette partie-là. C'est la partie qui nous intéresse où nous sommes. Où nous avons marqué. Un plus bas au niveau de mai, nous avons fait un second plus bas au niveau de juin, mais on regarde l'écart entre les deux, on voit que c'est très faible, d'accord On voit qu'on a eu un écart très très faible. Ça sous-entend principalement que euh, à cette époque-là, on avait une croissance euh, forte au niveau de Theta. Et on le voit bien avec cette accélération haussière qu'on a eue jusqu'en août, dans lequel on a fait quand même des breaks en structure majeure, et ensuite on a cassé, on a retracé. Il y a eu un sell-off classique avec une prise euh, de profit effectif. Et ensuite, on a marqué un second plus bas. Donc là-dessus, on avait la pattern classique de SC, STB, Spring. Donc on se disait, ok, bah on est sur la mise en place d'une accumulation break-off, or qui associée, bon, bah, en l'occurrence, c'est validation de l'accumulation. Euh, la validation de l'accumulation, elle allait avec le break-off structure. Tant qu'on n'a pas fait ça, bon, bah ça veut dire que notamment le Spring, il n'est pas fini. Et on voit que on a eu notamment les jambes cassées par FTX derrière, et, depuis, on retravaille les points bas avec une nouvelle accumulation qui est en train de se faire ici, et on voit qu'on a une accélération haussière qui est plutôt cohérente, mais quand on regarde un petit peu le BTC, le BTC, on est en train de retrailler les zones de FTX, d'accord? Pour rappel, les zones de FTX au niveau de Theta, c'est 1,3, d'accord? 1,3$. Bon, ben on est quand même très très loin. Là, actuellement, on est dans les 0,9, on devrait, normalement, structurellement, aller plus haut, retrailler cette partie-là avant de pouvoir baisser. D'accord Soit refaire un retest, soit repartir à la hausse. Mais dans tous les cas, ici, quand je compare avec le BDC, je me dis, hmm, c'est quand même un peu faiblard. Là, on n'a pas beaucoup de volume. Après, est-ce que c'est anormal je vais vous présenter le problème euh, autrement. Il faut comprendre que actuellement, nous sommes dans un projet qui est vraiment en phase expérimentale, dans lequel il n'y a pas encore d'écosystème. L'écosystème existe, mais somme toute n'est pas vraiment développé. On n'a pas une adhésion au sein du Web3 sur la technologie Theta. Donc, on a besoin de faire ses preuves en 2023. Donc, c'est quelque chose qui est risqué, Et risqué dans un bear market, dans lequel on a eu une crise de confiance liée à FTX. Bon, c'est normal que ce soit plus compliqué notamment pour theta parce que en plus c'est quelque chose qui est ultra ciblé qui l'explication je vous ai faite justement dans la partie nouvelle. Donc il faut bien comprendre que techniquement c'est logique que nous n'ayons pas une accélération Haussière. Ce n'est pas une preuve de faiblesse du projet, mais plus une preuve liée à l'aspect évolution technologique et l'état du projet sur l'ensemble de la confiance du marché. Et donc, il faut prendre en considération ça. Donc, pour moi, j'ai tendance à considérer qu'on va ranger sur Theta pendant un certain temps avant d'avoir justement de la mise en place d'incentives, l'arrivée euh, d'écosystèmes dans lequel on risque d'avoir après une pattern d'accélération haussière qui va nous faire justement ce break of structure qu'on attend Ici avec la cassure des 17, ce break of structure qui nous donnera justement un go suffisamment fort pour pouvoir dire qu'on va réattaquer les parties hautes et les parties hautes seraient donc ici break of structure premier signe, deuxième signe on va aller chercher cet equal high qui se trouve ici en break of structure à 4, 5, donc 4, 45 donc 4,45 et ensuite voilà on va chercher beaucoup plus haut, on va chercher un nouvel ATH avec un retest donc pour moi c'est vraiment ça, je pense que on aura un retravail du cours structurel qui s'effectuera dans cette zone-là. Donc, c'est entre 8 et 10 dollars dans lequel on a beaucoup de personnes qui sont trappes majoritairement sur cette accélération et se retravaille ici sur cette pointe, cette pointe et cette pointe dans lequel les gens pensaient clairement dans l'achat de l'état avoir un retravail haussier. Donc, là, ça n'a pas été le cas. Et donc, forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont soit c'est l'offre, soit qui n'ont pas sell l'offre. Et s'ils n'ont pas sell l'offre, ça sous-entend qu'ils sont bloqués dans cette price range. Et donc, à un moment donné, ici, on aura une continuité en tout cas un retracement une prise de profit une sortie des gens avant de pouvoir retravailler et repartir la hausse bien évidemment si le fondamental. suit. au niveau des targets targets très long terme donc sur prochain bull run sur nouvelle ATH, on aurait une grande vague 1, grande vague 2 Elliottiste, grande vague 2 qui nous amène sur une target de grande vague 3 à 1618 nombre d'or à 26 dollars, ce qui nous fait une très belle performance mais encore une fois, c'est normal c'est normal qu'on ait une performance expectative sur Quelque chose qui est technologiquement euh, en cours de développement, qui n'a pas encore d'adhésion, et qui, justement, est encore en attente d'adhésion. Tant que ça s'est pas fait, bon, il bah, y aura toujours un risque fort, et on n'oublie pas, si on veut du rendement, il faut prendre un risque équivalent au rendement, et justement, bah, plus on a un beau rendement, plus ça sous-entend que, en tout cas, plus il y a de chances qu'on ait un gros risque, et en effet, Theta fait Partie des actifs risqués dans le web 3, il faut en prendre conscience. Et quand on choisit de s'exposer à Theta, il faut bien le comprendre dans la façon dans laquelle on s'expose. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu. Avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.